Bonjour à toutes et à tous. Voici, me revoilà en ce mardi 5 décembre pour faire notre cinquième boule à neige. Oui, donc là, j'ai choisi une structure bleue. Un fond aussi dans les bleus avec des étoiles et enfin, ça fait comme des guirlandes qui tombent un petit peu comme ça avec des étoiles. Notre arrière, notre étiquette à l'arrière. Et puis une petite maison enneigée avec des sapins. Puis quelques petits, vous les voyez là, des toutous. Je sais pas si vous les voyez, mais des tout tout petits éléments de flocons de neige rouge et vert qu'on va coller un petit peu partout. Donc voilà, on y va, comme d'hab. Donc là, pour ma structure. Ouais, j'avais collé environ en haut. Et je ne vais pas coller trop trop loin d'abord pour pouvoir placer la maison. Et puis après, on collera. Bon, j'aurais pu coller la maison directement et puis comme ça. Mais c'était parce que oh, c'est un peu compliqué, hein. J'aimerais bien la mettre. J'ai mis le. Oh non. Attendez, je vais voir ça. Est-ce que je pourrais la. Non, non. Je vais coller ma structure d'abord quand même. Voilà, j'essaie toujours de me centrer. Maintenant, je vais venir donc regarder pour la glisser. Comme ça, ici vers le bas, et je vais couper ce qu'il y a en trou. Donc voilà, je mets de la colle partout. J'ai donc la glisser comme ceci, puis essayer, hop, de la glisser par ici. Je vais voir si j'arrive encore à la décoller pour la mettre un petit peu plus. Voilà. Ouais, c'est pas facile, hein, là. Et ici, je vais venir donc décoller ce qui dépasse par rapport à ma structure. Voilà. Donc déjà ça, maintenant je peux venir donc ajouter de la colle. Je sais pas si je suis encore dans le champ. Si vous voyez ce que je fais, ça peut labourer aujourd'hui, hein. Voilà. Du coup, là, je peux aussi venir mettre un filet de colle ici. Voilà. Et maintenant, on va venir voir un petit peu comment on va placer ces différentes petites choses. Un petit peu.
Voilà, un petit peu comme ça partout. Donc maintenant, je vais venir les coller une à une. Donc voilà, de une. Voilà, de deux. La petite verte, troisième. Oups. La quatrième rouge. La grosse verte. Et la dernière petite rouge. Voilà. Maintenant, oh ben, j'ai perdu là où je vous mets, où je voulais mettre la date. Alors attendez que j'aille voir. Elle est tombée ici. Alors de nouveau. Oups, détends-moi. Moi j'ai failli me rasseoir à côté de ma chaise. C'est pas mal, hein? C'était un peu un carnage, je crois. Enfin, bref. Voilà. Donc là, j'ai choisi là où on met la date en vert. Donc, du coup, je vais essayer d'écrire dessus en rouge. Mais je ne suis pas sûre que ça se voie. Je vais faire un essai. Sur un bout de papier, il doit me rester une chute verte. Le sommet vert. Avant de faire des catastrophes directement sur ma création, je vais essayer de faire un petit test avant. Donc là, je change ma date pour ma date de hier pour celle d'aujourd'hui, le 5. On va essayer de bien. Bien mettre du rouge et voir ce que ça donne. Ah, ça marche! Écoutez, moi je trouve que c'est pas trop mal. Donc, on va essayer. Il faut que j'essaye de voir comment je peux faire. Que ma date soit bien. Ben, elle est déjà un petit peu mieux que les autres jours, hein, à force. Elle est juste un petit peu sur le bas, je ne sais pas si vous voyez, mais pas trop mal. Donc maintenant, je vais la coller. Petite tache de colle. Donc voilà. Là, je vais bien vérifier. Bon, normalement, c'est logique vu qu'il y a ça. Ah oui, je peux pas me tromper. Je suis bête. Donc voilà, je mets à l'arrière. Et donc voilà. Ben, celle-ci, par contre, je ne vais pas mettre de strass ou quelque chose comme celle que j'ai fait les autres, parce qu'avec les petits flocons ici, non, ça me plaît bien comme ça. Donc voilà, pour cette cinquième,
boule à neige. Et donc, aujourd'hui, je voulais faire un petit clin d'œil et plein de gros bisous à mon petit frère Julien qui fête son anniversaire aujourd'hui. Je l'embrasse fort, je fais plein de bisous. Et j'espère que cette petite boule à neige vous aura plu et je vous dis à demain. Bye bye!